Salut à tous les addicts. Ouverture du jour, on a pu trouver un coffret dans une ville différente. Forcément, parce que ça, pas personne, c'est la galère. Et à chaque fois, c'était le dernier. Donc, double chance. Voilà. Donc, du coup, c'est la battle. Il y a le coffret de ma femme, il y a mon coffret. Du coup, on va voir qui va avoir la plus belle ouverture. Je te laisse ouvrir ton coffret pendant que j'ouvre le mien pour pas perdre de temps dans la vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez pu trouver des coffrets. Vous n'avez pas trop galéré parce que c'est vrai que c'est dur d'en trouver. Quand on en trouve, c'est un par personne. Donc, du coup, on est content, mais c'est frustrant aussi à la fois parce que quand on veut compléter son Master 7, nous on a 91%. Hier, on a pu avoir 3 coffrets pour avoir une seule carte qui nous manquait. Mais bon, c'était un Alakazam Full Art. On a aussi une Tortank Full Art Arbok X et Alakazam X classique. Non. Voilà, donc du coup, c'est parti. Je te laisse commencer ton ouverture. Sinon, ah, tu l'as pas encore ouvert. Bon, du coup. Mais je peux les ouvrir moi, parce que comme t'en as ouvert déjà 3, tout ça. Non, t'inquiète pas, mais de toute manière, j'ai 2 surprises encore, t'inquiète pas. Ah bon? Ouais, parce que je suis trop fort. Donc c'est parti pour le premier, le temps que tu ouvres ton coffret, du coup. Donc c'est parti avec un Nidoran. Ah bras, donc dites-nous un petit peu de votre côté ce que vous avez pu trouver ou pas, si vous avez galéré avec les jouets club, les Auchan. Alors en reverse, on a Hippotrank, Air Bizarre, un starter, et un petit Tortank X pour commencer, qui est très joli. Moi j'aime beaucoup cette carte, donc c'est chouette, premier booster, premier hit. Hier, premier booster, ça a été à la Kazam X Full Art quand même, hein. On avait commencé très très fort. J'en ouvre un deuxième en attendant que tu ouvres le tien désespérément. Ah ouais, j'ai le temps de tout ouvrir là. Bravo bébé. C'est parti. On enchaîne. Du coup, Draco. Il y a vraiment de très belles illustrations de cette série. J'adore vraiment les cartes communes. Je crois que c'est mes préférées. Et oh, encore à la Kazam X Full Art. Oh, trop belle. Magnifique. Oh, ouais. Magnifique. Et derrière, on a une énergie holographique. Ah, franchement, je suis trop content. Franchement, 2 boosters, 2 hits, les gars. Je tiens à dire que hier, le Alakazam X et le Tortank X Full Art, les deux étaient dans le même coffret. Ça a été le premier qui provient d'ailleurs du même lieu. Non, c'est toi qui as le coffret du même lieu. Donc, incroyable. Franchement, je vais les mettre côte à côte. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment ravi. Donc, du coup, je vais mettre un petit peu les hits en évidence. Donc ça, c'est vraiment super, super. Voilà, je suis vraiment ravi. Vas-y, je te laisse ouvrir 2 boosters, du coup, de ton côté, à toi. Oups, je vais tomber le raccourci. Le mec, il s'avance un peu trop. Donc voilà, je vais pouvoir mettre les sleeves que j'ai acheté tout à l'heure. Donc toujours, je peux vous les conseiller, c'est les 63.5 en 88 mm. Donc du coup, c'est des cibles qui sont vraiment adaptées aux cartes Pokémon, hein. C'est pas comme celle avec le, comment ça s'appelle, vous savez, le décor de baseball, parce que regardez, quand on les met, ça tombe vraiment nickel. Donc dans les classeurs, ça vous fait pas des plis au niveau des pages, ça abîme pas les classeurs, parce que les sleeves plus grandes abîment malheureusement les classeurs. Moi je l'ai remarqué, puis ça fait des plis, c'est moche, surtout quand les cartes brillent, ça rend un peu opaque, ça s'enlève la brillance. Donc au moins vous êtes tranquille, hein, ils les font en fines et en épaisses. Là j'ai pris des fines, mais la dernière fois j'ai pris des épaisses, c'était vraiment bien sécurisant pour les cartes. Moi je continue du coup. Rattata. Persian. Alors voyons voir ce que tu vas nous sortir. Oh, ectoplasma, bah forcément. Oh, double. Hey. Double ectoplasma. Vous savez qu'en Pokémon, si ça serait en Pokémon, ça serait ectoplasma. Donc je suis vraiment ravi que tu aies les deux. Tu veux les cartes, tu veux toi aussi? Bien. Allez, regarde, on va regarder l'enchaînement de cette battle. C'est parti. C'est vraiment dommage que dans cette série, les boosters ils soient trop fins, parce que c'est souvent compliqué de les ouvrir proprement. Bon, là, il est ouvert nickel. Attends, touche, fais un bisou dessus, fais un bisou. Voilà. On va voir si tu vas me porter chance. Troisième booster de ce coffret qui est pour le moment très prometteur. Hein. Roucarnage, j'adore. Hein. Franchement, dans les dessins animés, Roucarnage. Le moment où Sacha
le libère, entre guillemets, de ses fonctions. Oh là là, qu'est-ce que j'étais triste quand j'étais gamin, tout petit. Et oh, New X, troisième hit de ce coffret, les gars. Les gars, la battle, ça devient... Je te fracasse. Sachant que, comment dire, habituellement, c'est d'habitude, c'est toi qui relève le niveau, parce que je crois elle me sauve mes ouvertures. Oui. Moi, j'achète, et puis elle, sur le dernier booster, à chaque fois, tu me sauves. Peut-être que dans les deux derniers boosters qui me restent, il y aura une carte que t'as pas. Non, mais c'est fou, tu vas nous sortir le Dracaufeu alternatif. Peut-être toi, je te sens peut-être plus sur Florizarre alternatif, que je n'ai pas d'ailleurs. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, voyons voir. Et dites-nous vraiment vous avez réussi à avoir des hits au niveau de vos ratios. Starter, reverse, c'est toujours cool. Pyroli, comme t'adores. Hein. Cette fois-ci en reverse. Oh, ça tue. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce coffret là? On fait un échange de coffrets, je te l'ai dit en plus. Bon, hier sur les trois coffrets, on a eu un beau coffret, je vous ai dit. Et le. Comment ça s'appelle? Après j'ai eu un coffret où j'ai eu que Arbok X à peine, donc un petit à 3€, donc 30€ le coffret pour une carte à 3 balles, voilà, comment vous dire que c'est une catastrophe. Evoli, donc c'est parti, ce quatrième booster effectivement. Bon, on va faire un échange de coffrets, tout ce qui était d'intéressant, je sais. Aide de Nina, charisme, de Giovanni, eh ben celle qui me manquait. Parce qu'il me manque que 4 reverse. Et je crois qu'il y a Charisse de Giovanni dedans normalement. Et une holo tout de même dans ce pack. Bon, j'espère avoir un hit au moins dans ce dernier booster. Donc je suis ravi parce que normalement celle-là il me... Ah non, c'est Aide de Nina qui me manquait. Aide de Nina de sûr d'ailleurs, bim, elle est tombée. Elle, il me l'a manqué. Donc c'est super. Donc il m'en manque plus que 3, voire du coup plus que 2 reverse pour toutes les avoir. Donc c'est vraiment super. Allez, je t'envoie toutes mes ondes positives. Allez, il y a ton Evoli fétiche qui va peut-être te porter bonheur. Je te le souhaite. J'espère aussi. Allez, allez, allez. Onyx. Et Ratata. Léviathan. Non, mais c'est pas possible. Mais non. Là, franchement, c'est pas possible. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Voilà, un coffret avec absolument rien. Et là, on a tout ou rien, entre guillemets. Voilà, c'est assez frustrant. C'est vraiment frustrant. Mais je pense que, je vais te dire, c'est la vendeuse qui m'a porté la poisse. Parce que quand elle m'a vu, elle m'a dit encore vous. Parce que hier, je suis passé acheter un coffret. Et du coup, je voyais, elle était dégoûtée. En plus, c'était le dernier coffret. Elle m'a porté la poisse, j'en suis persuadé. Je te jure, elle m'a même pas dit au revoir. Elle était tellement dégoûtée, on aurait dit que je lui arrachais ça à son gosse. Alors que bon, vu son âge, à mon avis, elle a pas d'enfant. Mais voilà, je suis sûr qu'elle m'a porté la poisse. Je le voyais à son regard, là. Elle était dégoûtée de la vie. Donc voilà. C'est tout pour cette ouverture. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, la battle est terminée. En tout cas, la bonne nouvelle que j'ai à vous dire, c'est que j'ai 2 autres coffrets en approche. Parce que j'ai missionné un proche et puis je peux en commander un sur Maison de la Presse, même si j'ai mis 3 heures à valider le panier avant-hier, parce que le site était saturé. Donc voilà, en tout cas, ravi de vous retrouver. J'espère que de votre côté tout va bien et que vous avez apprécié cette nouvelle ouverture. Et on vous souhaite de beaux drops et on vous dit à très vite.